Alhamdoulilah, bismillah, salat wa salam ala rasulillah, ma ba'd. Toujours sur le récit de Adam, alayhi salam, à la section numéro 10, l'arbre défendu, les exégètes ont divergé à propos de la parole du Très-Haut. Wala taqraba hadihi shajarat, mais n'approchez pas de cet arbre. On a dit qu'il s'agissait de la vigne, d'après Ibn Abbas, Sa'id ibn Jubayr, al-Sha'bi, Ja'da ibn Hubayra, Muhammad ibn al-Qais, al-Suddi, Ibn Mas'ud et d'autres compagnons. Cela, c'est leur explication à eux. Donc, les juifs prétendent que c'était le blé. Et c'est aussi rapporté d'Ibn Abbas, d'Al-Hassan al-Basri, Wahb ibn Munabbih, Atiya al-Awfi, Ibn Malik, Muharib ibn Dithar, Abdurrahman ibn Abi Layla. Wahb précise, son grain était plus tendre que le beurre et plus doux que le miel. À propos de « Mais n'approchez pas de cet arbre », on a dit aussi qu'il s'agissait du palmier dattier, et cela est rapporté par Al-Thawri, d'après Abu Hussein, d'après Abu Malik. Abu Al-Aliya a déclaré « Le fait de manger de cet arbre impliquait pour l'homme de faire ses besoins, or il ne convient pas qu'il y ait de souillure au paradis. » Ces avis divers sont proches, or Allah Ta'ala l'a laissé inconnu et ne l'a pas désigné. S'il y avait une utilité pour nous dans sa désignation, il nous l'aurait précisé. Cela est similaire à d'autres questions non détaillées dans le Coran al-Karim. Section numéro 11. Paradis céleste ou paradis terrestre? La divergence concernant le paradis dans lequel il a fait entrer Adam, à savoir s'il se trouvait au ciel ou sur terre, est la divergence où il convient de trancher. Pour la plupart des savants, il s'agit du paradis qui se trouve aux cieux, le paradis al-Ma'wa, l'éternel séjour. Selon ce qui apparaît des versets et des hadiths tels que nous dîmes, « Ô Adam, habite toi et ton épouse le paradis. » Or, l'article défini dans « le paradis » ne concerne ni une généralité, ni un concept défini par un terme précédent. Il se rapporte plutôt à un concept connu dans l'esprit. Ainsi, lorsque on parle d'Al-Jannah, le paradis, il vient seulement à l'esprit qu'il s'agit du paradis céleste éternel, non d'un jardin quelconque, Jannah. Il se rapporte plutôt à un concept connu dans l'esprit, est bien établi par la loi comme étant le paradis de l'éternel séjour. Cela apparaît aussi dans le propos de Moussa à Adam. Pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi-même du paradis? On évoquera ce hadith par la suite, Inch'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah réunira les hommes, les croyants se lèveront. Lorsqu'on rapprochera pour eux le paradis, ils iront trouver Adam et lui diront « Ô notre père, demande à ce qu'on entre au paradis. » Il répondra « N'est-ce pas seulement la faute de votre père qui vous a fait sortir du paradis ?» Muslim l'a rapporté dans son Sahih. Il y a en cela une référence solide et claire, appuyant le fait qu'il soit le paradis al-Ma'wa. On ne peut cependant exclure des réserves. D'autres affirment, le paradis dans lequel Adam a habité n'était pas le paradis éternel. En effet, là où il se trouvait, il a été chargé de ne pas manger de l'arbre, de même qu'il s'y est endormi et en a été expulsé. De plus, Iblis y est entré et vint le trouver dans celui-ci. Toutes ces raisons contredisent le fait qu'il puisse s'agir du paradis de l'éternel séjour. Et ça, c'est d'après Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Wahb ibn Munabbih, Sufyan ibn Uyayna, et c'est aussi l'avis choisi par Ibn Qutayba dans Al-Ma'arif, entre autres. Al-Qurtubi, dans son tafsir, l'a mentionné comme étant aussi l'avis des Mu'tazilites et des Qadriya, les partisans du libre arbitre absolu. C'est aussi l'énoncé explicite de la Torah actuelle utilisée par les scriptuaires juifs et chrétiens. Parmi ceux qui ont mentionné la divergence dans la question, il y a Abu Muhammad ibn Hazm dans son ouvrage Al-Milal wa Nihal, les voies et confessions, ainsi qu'Abu Muhammad ibn Atiyah dans son tafsir et Abu Issa al-Rummani dans son tafsir, lequel a attribué le premier avis à la plupart des savants. Il y a aussi Abu al-Qasim Raghib al-Qadi al-Mawardi dans son tafsir qui déclara « On a divergé à propos du paradis où Adam et Hawa ont habité selon deux avis. Le premier est qu'il s'agit du paradis éternel et le second, un paradis que Allah avait suscité pour eux deux et dont il avait fait une demeure d'épreuve et non le paradis éternel. » Demeure de récompense. Ceux qui ont émis ce dernier avis différent, ils divergent sur deux positions. La première est que le paradis en question se trouve au ciel, car Allah subhanahu wa ta'ala les en a fait descendre, et c'est l'avis d'Al-Hassan. La seconde est qu'il se trouve sur terre, car il les éprouva tous deux en leur interdisant l'arbre défendu, à l'exclusion des autres fruits,
Et cela est l'avis d'Ibn Yahya. Tout cela eut lieu après qu'il eut ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam. Et Allah est plus savant sur ce qui est exact en cela. Fin de la citation d'Al-Mawardi. Il y a dans ces termes la relation de trois avis, et son propos tend à montrer qu'il n'a pas tranché entre les trois. Abu Abdallah al-Razi a mentionné dans son tafsir quatre avis, les trois cités par Al-Mawardi et un quatrième qui consiste à ne pas se prononcer sur la question. Il y a aussi attribué à Abu Ali al-Jibari l'avis selon lequel ce paradis se trouve au ciel, mais n'est pas le jardin de l'éternel séjour. Les tenants du deuxième avis ont émis une question qui mérite réponse. Il ne fait pas de doute, disent-ils, que Allah subhanahu wa ta'ala a chassé Iblis quand il refusa de se prosterner en la divine présence, puis lui ordonna de sortir du paradis et d'en descendre. Cet ordre ne tenait pas de la loi, mais du destin qu'on ne peut enfreindre ni refuser. Il dit ainsi: Sors-en, déchu et banni. Descends-en, tu ne pourras t'y montrer orgueilleux. Sors-en, tu es lapidé. Le pronom en se rapporte au paradis, au ciel ou au rang. Dans tous les cas, il est certain qu'il n'avait plus aucune place dans le lieu d'où il fut chassé et éloigné, que ce soit pour y séjourner ou pour y circuler ou passer. Or, disent-ils, il est évident par le sens apparent de l'énoncé du Coran que le diable fit ses suggestions à Adam alayhissalam et s'adressera bien à lui, tels les termes: veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Et aussi, votre Seigneur vous a interdit cet arbre uniquement pour que vous ne soyez pas deux anges ou de ceux qui sont éternels. Et il jura à tous deux, affirmant qu'il était pour eux un bon conseiller, il les fit ainsi sortir par ton prix. Tout cela indique clairement sa rencontre avec eux deux dans leur paradis, et il ne pouvait donc s'agir du paradis éternel selon leur argument. On a répondu à leur argument qu'on ne pouvait exclure sa rencontre avec eux deux dans le paradis comme passage dans celui-ci, non comme séjour. Il a pu aussi faire ses suggestions alors qu'il se trouvait à la porte du paradis ou sous le ciel. On peut cependant émettre des réserves sur ces trois possibilités. Wallahu a'lam. Ceux qui ont émis cet avis selon lequel il ne s'agit pas du paradis éternel s'appuient de même sur ce qu'a rapporté Abdullah, fils de l'imam Ahmed, rahimahumullah, dans les Ziyadat d'après Ubay ibn Ka'b, compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Lorsque Adam, alayhi salam, fut mourant, il eut envie d'une grappe de raisin du paradis. Ses fils, pardon, partirent lui en chercher. Les anges vinrent à leur rencontre. Où allez-vous, fils de Adam? Demandèrent-ils. Notre père désire manger une grappe de raisin du paradis. Retournez d'où vous venez, dirent les anges. Vous l'avez exaucé. Les anges arrivèrent auprès de lui et prirent son âme. Ils le lavèrent, l'embaumèrent et l'enveloppèrent dans un linceul. Jibril, alayhi salam, officia la prière sur le défunt avec les anges derrière lui. Puis ils l'enterrèrent et dirent ensuite: Telle sera votre coutume pour ce qui est de vos morts. Rapporté par Abdullah ibn Ahmed, d'après Hudba ibn Kharid, d'après Hamad ibn Salama, d'après Humayd, d'après Al-Hassan al-Basri, d'après Yahya ibn Damra al-Sa'di, d'après Ubay ibn Qab. Ce hadith sera cité entièrement avec sa chaîne de transmetteurs quand il sera question de la mort de Adam, alayhi salam. Ils ajoutent ainsi que s'il n'était pas possible de parvenir au paradis où Adam avait résidé et dont il désirait une grappe de raisin, ses fils ne seraient pas partis lui en chercher. Cela démontre que ce paradis se trouvait sur terre et non au ciel. Wallahu a'lam. Ils affirment de même, certes, l'argument selon lequel l'article définit dans le paradis, ô Adam, habite-toi et ton épouse le paradis, n'étant pas précédé par un terme auquel il se rapporte, concerne donc un concept connu par l'esprit et un argument valable. Cependant, c'est la trame du récit qui le définit, et celle-ci nous indique que Adam a été créé de la terre. Il ne nous a pas été rapporté qu'il fut élevé au ciel. Il a été créé pour être sur terre, et c'est cela que le Seigneur a appris aux anges. Je vais mettre sur terre un calife, et cela s'apparente à la parole du Très-Haut. Nous les avons éprouvés, de même que nous avons mis à l'épreuve les propriétaires du jardin. L'article défini dans du jardin ne se rapporte pas à une généralité, de même qu'il ne se définit pas par un terme précédent. Il se rapporte à un concept connu par l'esprit et que la trame du récit définit comme étant un verger et non le paradis, Jannah. Ils affirment aussi que l'évocation de la descente ne prouve pas la descente du ciel. Le Très-Haut a dit ainsi: On dit, ô Nuh, descends avec paix de notre part et bénédiction sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Il se trouvait dans le navire lorsque celui-ci se fixa au mont Djoudi et que l'eau se retira de la surface de la terre. On lui ordonna alors et à ceux qui étaient avec lui de descendre sur terre avec la bénédiction sur lui et sur eux. Le Très-Haut dit aussi,
Descendez à la ville, vous y aurez ce que vous avez demandé. Et il en est parmi elles, donc les pierres qui chutent descendent pardon, par crainte de leur Seigneur. Il y a en ce sens de nombreux exemples dans les hadiths et la langue. Ils ajoutent aussi, il n'est pas exclu, et c'est même une réalité que le paradis dans lequel Adam a habité était un lieu élevé par rapport aux autres contrées de la terre. Là se trouvaient la végétation, les fruits, les ombrages, la beauté et le contentement. Ainsi le Très-Haut a dit, il t'est accordé en celui-ci de ne pas avoir faim et de ne pas être nu, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de toi ne sera pas humilié par la faim, et ton extérieur ne le sera pas par la nudité. Il t'est accordé en celui-ci de ne pas y avoir soif et de ne pas être exposé au soleil, c'est-à-dire la chaleur de la soif ne touchera pas l'intérieur de ton corps et la chaleur du soleil n'atteindra pas sa partie externe. On notera ici les correspondances harmonieuses dans cette description du paradis, mais lorsque vint l'heure où il mangea de l'arbre défendu, on le fit descendre sur la terre de l'adversité, du trouble, du labeur, de l'affliction, de l'épreuve, des divergences entre ses habitants sur la religion, les caractères, les œuvres, les objectifs, les volontés, les paroles et les actes. Et vous aurez sur terre un séjour et une jouissance jusqu'à un certain terme. Cela n'implique pas qu'ils étaient au ciel, et cela est comparable à la parole du Très-Haut. Et nous dîmes, après lui, ô fils d'Israël, habitez la terre, puis lorsque viendra le temps dernier, nous vous ferons venir ensemble de toutes parts. Or, il est bien connu qu'ils se trouvaient sur terre et non au ciel. Ils ajoutent de même que cet avis ne découle nullement de l'opinion de ceux qui nient l'existence actuelle du paradis et de l'enfer, et il n'y a pas de lien en effet entre les deux. Tous ceux qui sont de cet avis selon lequel le paradis où habita Adam n'était pas le paradis éternel parmi les salafs et la plupart des contemporains affirment en effet l'existence actuelle du paradis et de l'enfer, en conformité avec ce qui est établi des versets du Coran et des hadiths valides. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant sur ce qui est exact. On va s'arrêter là, inshallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.